Bonjour à tous et bienvenue dans Défi 30 jours. Nous sommes à l'avant-dernière étape de ce défi et je vous félicite encore. Je sais que je l'ai dit souvent, mais franchement, les gens qui investissent en eux et qui vont si loin dans les démarches, eh bien félicitations parce que c'est vraiment pas évident. On a souvent tendance à abandonner, on a souvent tendance à chercher les causes à l'extérieur de soi. Et pour terminer ce défi, eh bien aujourd'hui je vais vous parler des émotions, je l'ai déjà fait, mais on va aller un petit peu plus loin et on va essayer de décortiquer le pourquoi du comment, pourquoi nous avons ces émotions et ce que ça peut nous apporter. Alors dans un premier temps, en étant très pragmatique, les émotions ne sont que des connexions électriques. Et en fait, c'est un message qui nous est envoyé par notre organisme en fonction des pensées du passé, de notre expérience. Et ces informations qui nous arrivent, généralement, sont générées parce qu'il y a une perception de manque, une perception de perte. Et comme elles ne sont pas assouvies, eh bien, des émotions se déclenchent et notre vision de l'extérieur, des conséquences, des stimuli que nous recevons, eh bien, fait que nous créons ces émotions. Et en fonction de cette création d'émotions, nous allons nous mettre en action. Alors généralement, eh bien, on utilise ces émotions pour se plaindre, pour jouer les victimes, pour éviter d'être responsable de ce qui nous arrive. Il est quelque part plus facile de reporter la faute sur les autres et sur l'extérieur plutôt que de recevoir cette émotion qui est un signal qui nous prévient qu'il y a un souci et que on se met en alerte, on règle ce souci, on est dans l'instant présent et à partir du moment où on mettra les actions qui nous permettront d'anticiper ce souci, eh bien nous serons responsables, nous irons au-delà de notre émotion et nous parviendrons à régler cette situation et en plus en étant très fiers de la situation, parce que nous avons remporté une victoire sur nous-mêmes pour devenir cette personne que nous avons envie d'être. Alors au départ, notre cerveau, il n'est pas du tout conçu pour que l'on puisse dominer et être dans l'instant présent. Notre cerveau est fait pour qu'on se mette en roue libre, que l'on pense, qu'on pense, qu'on pense, qu'on pense, qu'on pense, qu'on pense, et qu'on n'arrête pas de penser, que la situation extérieur, on pense que c'est une cause et qu'à cause du fait qu'on pense que c'est une cause, eh bien, on se pose en victime et on cherche des solutions par rapport au problème qui est face à nous. Alors que si on pouvait se rendre compte que ce qui se passe à l'extérieur de nous est une conséquence et que la cause, eh bien, elle est à l'intérieur de nous et c'est un petit peu nous qui l'avons créée de par notre comportement, de par notre manière d'être, nous avons incité ça et à partir du moment où on comprend que c'est notre manière de fonctionner qui a incité ce genre de comportement et de stimuli extérieurs, eh bien à ce moment-là, on a tout compris. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que tout ce qui nous arrive, nous en sommes responsables. Si je me mets en colère, c'est parce que j'ai un manque. C'est parce que je perçois plus la perte de quelque chose que l'opportunité de pouvoir le réaliser. Par exemple, je me mets en colère parce que je fais en sorte d'aider les autres. Je fais en sorte d'aider les autres en fonction de ma perception de la vie et je mets énormément d'énergie pour que les autres puissent s'en sortir. Et puis je constate que malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout ce que j'ai pu leur apporter, ils n'en font rien, ils n'en font qu'à leur tête et ce qu'ils font de ce que je leur ai donné, eh bien, ne convient pas. Ne me convient pas. Donc ça me met en route, ça me met en colère parce que pétard, j'ai voulu les aider, j'ai mis énormément d'énergie, et voilà le résultat que je reçois. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, je suis plus en manque, en perte de sens, parce que j'ai donné beaucoup et je ne reçois rien en retour. Alors que, si on est d'accord avec soi-même, si on est responsable de tout ce que l'on fait, eh bien, on donne. On donne de sa personne parce qu'on a décidé de donner de sa personne, pour aider l'autre, et si l'autre ne prend pas, et si l'autre n'est pas en adéquation avec nos attentes, tant pis pour lui. Mais nous avons décidé de donner, nous avons décidé de poser un acte, et si la personne n'est pas apte à la recevoir et à donner en retour, ça lui appartient. Alors pourquoi sommes-nous déçus? Pourquoi sommes-nous déçus? Parce que nous avons biaisé la réalité. Nous avons cru que, en faisant comme nous, cette personne allait réagir à ce que nous attendions.
Ben, que nenni. Pourquoi? Pourquoi de cette personne devrait, en fonction de ses filtres, en fonction de sa vie, en fonction de ce qu'elle vit, agir comme nous on voudrait? Et c'est là le problème de la majorité des gens. Ils sont souvent déçus de l'attitude des autres. Ils sont souvent déçus de la réponse qu'ils reçoivent. Oui, mais la réponse, c'est eux qui l'ont voulu, mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait en amont pour la recevoir. Et ils ont tellement donné de leur personne ben, qu'ils ont énormément de déceptions. C'est la même chose, bon ça c'est pour la colère, mais c'est la même chose pour les peurs. Les peurs c'est quoi? C'est parce qu'il y a plus de manque à gagner que de réalisations qui vont se faire. Donc par exemple, ben, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur du manque d'attention, j'ai peur de la perte de contrôle. Donc j'ai énormément de peur et les peurs c'est quoi? Eh bien c'est un fantasme que je me crée. C'est un fantasme que je me crée parce que c'est un mensonge que je me construis par rapport à la réalité. Le rejet par exemple, si j'ai peur d'être rejeté, quelle est la peur qui se cache derrière ce rejet? Eh bien, c'est parce que quelque part, j'ai peut-être envie d'être parfait, j'ai envie que tout le monde m'admire, j'ai envie que tout le monde m'aime. Et je ne peux pas concevoir que je puisse être rejeté pour ce que j'apporte, pour ce que j'ai fait et parce que je suis une telle personne. Et si on vient me remercier, ben c'est normal, puisque j'ai agi en ce sens. Et lorsqu'on ne vient pas me remercier, ben je râle, je victimise, je rouspète. Pourquoi? Ça appartient aux personnes. Ils ne sont pas obligés de me remercier. Ils ont leur propre vie, leur propre stimuli, leur propre manière de voir. Pourquoi est-ce que j'attends des autres de la reconnaissance? Si je me reconnais moi-même, et pour ça le rejet est génial, parce que ça me permet de savoir si je m'aime moi personnellement ou pas. Si je m'aime, j'ai pas besoin de reconnaissance. Si je reçois de la reconnaissance, c'est bien, mais c'est pas le but ultime pour laquelle j'ai fait cette chose. Si je ne suis pas reconnu, c'est bien. Mais j'analyserai cette personne si j'ai envie d'y accorder de l'importance. Mais c'est bien. Et de toute façon, je ne peux pas être aimé de tout le monde parce que c'est impossible de plaire à 7 milliards de personnes. Et en plus, je ne peux pas combler ces 7 milliards de personnes. Et moi, je ne rejette jamais personne. J'aime tout le monde pour qui il est. Je ne critique jamais, je ne juge jamais. Ben si. Donc, n'attendez pas des autres ce que vous faites vous-même. Donc, il est normal que vous soyez rejeté. Et donc, c'est un fantasme. C'est un fantasme de croire que. À partir du moment où vous avez compris ça, eh bien vous allez voir que vous allez pouvoir gérer votre peur, passer au-delà de cette peur et faire en sorte de devenir vous-même responsable de ce qui vous arrive et de faire les actions qui vous permettront de vous aimer dans tout ce que vous faisiez. Dans tout ce que vous faites, pardon, qu'est-ce que je raconte? Dans tout ce que vous faites. Voilà. Ceci termine cette avant-dernière session. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir, que vous avez bien compris cette notion de manque à gagner et du fait que c'est parce qu'il y a des manques que vous pouvez avoir des émotions négatives, des peurs, et que si vous parvenez à gérer cela en vous, eh bien vous deviendrez cette personne que vous rêvez d'être. Merci pour votre écoute. Belle journée à vous. Au revoir.